4 Lateral Damage Remus Thread. Donc c'est remaster, donc c'était un jeu qui était sorti déjà sur PlayStation 4, mais là a été refait donc pour la PlayStation 5. Et donc vous voyez le style graphique assez simple. Et en fait c'est un espèce de puzzler. Donc vous voyez, objectif, fait tomber des objets pour accomplir des objectifs et déverrouiller des nouveaux niveaux. Voilà, des nouveaux niveaux. Alors, et ici, donc procédural, des niveaux générés de manière procédurale pour des parties sans fin. Donc on va faire la partie d'objectif. Et voilà, on a le choix en fait. On va débloquer après différents petits minous. Hein. Et là, on a les objectifs à chaque fois par chat. Voilà. Donc là, elle fait ça pour tester. Donc pour vous expliquer, là par exemple, on va rentrer dans ce niveau-là. Et on a renversé des plantes, renversé la télé, joué à trouver. Donc on a des espèces de petites billes ou des petites balles. Joué avec un espèce de petit rouleau. Et chevaucher l'aspirateur. Voilà. Allons-y. Donc c'est un jeu assez chill hein, quand même. Voilà. On est un petit chat. On a une petite zone en haut ouvert. C'est l'énergie. Voilà. Et on va simplement faire des âneries. Voilà, par exemple avec la patte tech. Dans ce truc en bas. On peut sauter. Donc on doit renverser la télé. On va faire le con. Allez hop. Elle est zou par terre. Voilà, donc là on a un petit objectif qu'on a fait. Donc renverser la télé. Voilà. On peut ramasser avec la bouche, les trucs. Voilà. Alors faut que je trouve les plantes. Des plantes à renverser. Là on est dans les toilettes. Ah le petit. Ça faut le trouver là. C'est une petite balle de ping-pong. La balle de ping-pong trouvée. Alors il y a des plantes là-haut. Comment je vais accéder en haut? Ah une plante là, déjà. Allez. Dégage. En fait c'est la vie d'un chat. Hop. Voilà. Joue avec le petit rouleau. C'est fait. Je sais pas comment accéder en haut là. Alors vous voyez qu'en se déplaçant, on perd de l'énergie. Et il y a différentes possibilités pour récupérer de l'énergie. Alors il y a des endroits où on peut dormir, on peut manger. Tout simplement. Ah l'aspi il est là. L'aspi, on va à l'aspi. Hop, l'aspi. On est sur l'aspi. Faut rester, on chevauche. Voilà. Et il se déplace pour nous. Voilà, donc ce qu'on va faire. Là. Hop, regardez, là il y a une petite zone pour dormir et on va récupérer de la vie. Voilà. Alors il nous reste un objet à trouver et quelques plantes à faire tomber encore. Une plante là-bas. Là. Voilà. Qu'est-ce que fait votre chat à la maison quand vous êtes pas là, quoi? C'est exactement ça. Hein. Ah, une plante là-bas encore. Allez, dégage. On casse tout. Alors, est-ce qu'il y a des plantes ici? Ouh! Oui, il y a du catnip. Ça va être le carnage. Ouh! Donc on a l'énergie infinie en fait. Pendant ce temps. Thank you.
réfléchir un petit peu tout. Ah, on a fait le tour de la maison, il reste encore 9 planches à renverser, on n'a plus trop de vie. Alors est-ce qu'il y a de la bouffe? Ah, la litière, la litière. Eh ben, on est très fatigué. Je pense qu'on va pas arriver. Hop, on va dans la petite boîte pour finaliser le niveau. On n'a pas tous les objectifs, mais on a déjà débloqué des trucs. Alors, vous me direz, en débloquant les objectifs, on gagne quoi? Ben, on gagne des petites clochettes. Et les clochettes vont nous permettre de débloquer des niveaux, des objets, etc. Regardez, déverrouiller des chameliorations. Voilà, et avec les chameliorations, ah, on n'a pas encore la possibilité, ça. 30, c'est des petites étoiles. Donc, saut, énergie, machin, voilà. On a à chaque fois des petits trucs en plus. Donc réessayer, on va réessayer en cette fois-ci de s'attaquer qu'aux plantes. Parce que tous les autres objectifs normalement sont faits. Donc renverser 15 plantes. Allons-y. Essayer de maximiser tout ça. Alors. Je sais pas comment je vais faire. Alors il y a la porte. C'est par ici. Alors on va aller au catnip. Voilà. Tac, toi dégage. Casse tout. Après, on a le super pouvoir hein, du catnip là. Sage, on récupère de l'énergie. Ah, il y a aussi ça qu'on peut récupérer. Alors, on a fait tomber le cadre, les petites photos, on peut récupérer les petites photos des petits chats. Ouais, faut que je monte là-haut. On va voir. Allez hop, dégage. Ah, on peut dormir ici aussi. Il nous en reste 7. Que 5.
J'en vois pas trop. Hein. Ah, il y a celles qui sont là-bas. C'est dur. Hein. Ouais, avec les 4 qui sont là-bas, 5, on pourrait passer de niveau. Hein. Et mince, plus d'énergie. Pour essayer de choper ce qui nous manque. Hop. Ah, c'est balèze hein, quand même. Hein. Ah non. Ouais, c'est un petit jeu comme ça sympathique. Si vous aimez les chats. Vas-y, quoi. Non. Allez, zou. Voilà, là, il y a de la bouffe. Voilà, faut qu'on récupère de l'énergie. Voilà, ici. La dure vie d'un chat. Manger, dormir et faire des conneries. Donc, il nous en reste 7. Ici, on a fait un petit peu le tour. Truc secret là.
nu au musée Matouvou. Petit jeu de mots. Purée, c'est pour voir. Compliqué là, hein, quand même. Faudrait passer par les rideaux, mais c'est super compliqué. Hein. Et puis d'énergie. Là c'est un petit peu on est un petit peu bloqué. Alors on va au menu. On a le droit donc voilà, on a débloqué un autre niveau, on va à un autre niveau voir. Alors mes croquettes ont mauvais goût, ces humains vont le payer cher. On va se venger. Alors, renverser ça, trouver là, ok. Alors déjà, faut trouver les trucs. Hein. Ouais, une petite souris attrapée. Ouf. Quasiment eu. C'est ça. Allez, lâchez. Poncer un petit peu, ça va nous permettre de voir. Alors, j'ai pas trouvé encore les jouets. Ah tiens, un petit, il y a ça là, des espèces de petites. Quasiment renversé. Hop. Allez, renversé. Ça, c'est du pain, ça. Ça. Ça leur donnait de la vie. Yes, on a chopé la petite souris. On va dormir ici. Alors, on doit renverser encore trois petites bouteilles, les espèces de les trophées là. Yes, on a eu un. Est-ce qu'il y en a un autre? Plein de souris ici. Hein. Ouais, les deux bouteilles déjà,
Voilà. Des trucs spéciaux là, non. Bon bah. J'ai pas vu le deuxième buste pour l'instant. Non. C'est bizarre, hein. Ah, il est là. Voilà. Casser la gueule. Alors, il faut trouver les jouets. Alors, est-ce que c'est un jouet là-haut? Ouais, c'en est un. Est-ce que je peux sauter jusqu'à là-bas? Oula, c'est trop dur. Bien caché, hein. Je sais pas comment on va faire là pour trouver le. Peut-être tenter comme ça. Eh ben non. Bah. Et j'ai fait un gros saut quand même. D'énergie. Bah c'est les jouets en fait qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé les troisièmes. On sait où est le troisième. Sauf que on n'a pas fait un saut assez grand. Qu'est-ce qu'on peut déverrouiller? Plus de vie. Donc là on est au max et là ça c'est pour. Ok. Récupérer les trucs. On va essayer juste une fois de voir si on récupère tous les. Les jouer. Alors il y en a un dans la salle de bain, il y a l'autre qui est ici. Ah, je suis dégueu. Celui-là c'est le plus chiant à voir. Peut-être avec la table là. Peut-être dans la limite. Non, quasiment.
faut le mettre plus dans la longueur quoi. Ah, je suis deg. On va faire un petit dodo. Alors ça sert à rien de toute façon qu'on aille chercher les autres tant qu'on n'a pas pris celui-ci. Hein. Celui-là c'est le plus chiant à choper. Ah purée. Quasiment. Hein. On va essayer un autre petit niveau. Hop. Allez, on a celui-là. Alors j'en essaie dans un peu. C'est l'heure de mettre la pagaille. Alors on doit renverser. Ok. Des vases, de la poterie, etc. Thank you.
il y a des trucs à casser. Hein. Tout en l'air, total des dégâts, on est déjà à 16 000 $. Faire. Alors je trouve pas le dernier vase, il est où? J'avais trouvé l'endroit pour dormir. Bon, on a récupéré des petits trucs. Donc voilà, jeu assez sympathique. Voilà, qui est réparti sur plusieurs niveaux. C'est amusant. Normalement, c'est un jeu qui vaut pas très cher. Et si vous avez les chats, voilà, c'est toujours aussi sympa de pouvoir voir. De faire des idioties avec des petits félins. Donc voilà, je pense que ça sera tout pour ce jeu là hein, ça vous a déjà montré un petit peu deux trois petits trucs dessus.